Ok, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui nous allons voir ce jeu Bowmaster Japan. Alors, juste avant de continuer. Ok, donc ce coup-ci, le son est acceptable. Bon, aujourd'hui donc je vais vous présenter ce jeu Bowmaster Japan qui est disponible sur le site de Miniclip et qui a été développé par Silent Bay Studio. Voilà. Et donc ce jeu, déjà, son point fort, écoutez. Voilà. Donc c'est un jeu assez intéressant dans la mesure où, comment, il est à la fois calme, il est posé, on est vraiment voilà, dans une ambiance asiatique, un peu zen. C'est un jeu de tir à l'arc. Les graphismes. Alors, ce jeu a été développé avec le moteur Unity, donc il faut que vous ayez Unity d'installer sur votre ordinateur. Mais bon, en soi, ce n'est pas trop grave. Excusez-moi. Attendez, je fais juste un truc. J'espère que ça n'a pas fait merder l'enregistrement. Attendez, une seconde, une seconde. Bon, ça fait rien. Voilà. Bon. Et on va... si, quand même, attendez. Bon, ça fait rien. Attendez. Juste une petite seconde. Je vous demande juste une seconde. Ok, pas grave. Nous allons donc démarrer ce jeu. Donc voilà, donc on vise avec la souris. Donc tout se joue avec la souris. Donc on maintient pour tendre et on relâche pour tirer, donc le clic gauche. Donc le premier niveau est assez simple. Donc voilà, donc un jeu vraiment à prendre à la détente. À faire quand on est détendu, que... Et vous savourez les graphismes et l'audio. Voilà, deuxième niveau. Donc déjà on a des cibles mouvantes. Raté. Oh mais zut, je fais la même. Voilà. Voilà. Alors voilà, c'est un jeu vraiment, faut à faire à détente. Alors au départ, c'est assez simple. Et très rapidement, les niveaux vont devenir assez durs, assez difficiles. Et il y a certaines mécaniques, comment, qui seront à, voilà, à prendre en compte. Par exemple, voilà, ces trucs-là, là, qui sont en fait des... Voilà, donc là simplement on fait monter l'eau pour pouvoir après atteindre les cibles. Raté. Première flèche ratée. Voilà. Voilà, et comme ça on peut avoir les cibles qui sont sur l'eau. Oh zut. Voilà. Voilà, donc les graphismes sont absolument géniaux. Le son est magnifique. Le gameplay est simple mais efficace. C'est simplement du tir à l'arc.
Voilà, donc je me concentre hein, pour minimiser le nombre de tirs, mais bon, j'ai eu le dragon déjà. Il reste un au milieu, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, le jeu est assez facile. Alors par contre, il y a... Comment? Le dernier coup que j'ai joué à ce jeu, il m'est arrivé quelque chose d'assez... d'un peu bizarre. C'est que la première fois que j'ai essayé le jeu, quand j'ai perdu le jeu, je n'ai pas pu aller plus loin en fait. J'ai pas pu... Ouais, j'ai tout vu. J'ai pas pu, comment... reprendre la partie après avoir perdu. Et la seconde fois, il m'a autorisé à réessayer le niveau que j'avais perdu. Donc c'est bizarre, parfois il... Ah, j'ai eu la barque. Non, je crois que j'avais été jusqu'au niveau 12, il me semble, 12 ou 13. N'importe quoi. Voilà, les petites cinématiques à chaque fois qu'on tire une flèche. Simple mais efficace. Ces cerfs-volants sont assez chiants. Hein. Voilà, donc un jeu vraiment dans le calme. On apprécie la musique. C'est pour ça que je parle pas beaucoup, c'est pour vous laisser apprécier la musique. On ira jusqu'au niveau 10. Et je vous spoilerai pas le reste. De toute façon, voilà, vous avez l'essentiel du jeu. Il y a plein de petits mécanismes comme ça, super intéressants. Ah. Attendez, parce que là en fait j'ai relâché le bouton mais il n'a pas considéré que je l'avais relâché. Donc, dommage. Bon, les deux dernières là-bas sont assez agaçantes à voir. Hein. Ah dommage, un poil trop bas. La dernière est toujours assez agaçante à voir. Oui. Ah. Ok, touche les lanternes jaunes. Donc sauf que là, il va y en avoir en plus qui vont décoller, je crois, du sol. Voilà. Bon, celles-là sont pas faciles à avoir. Bon, là j'ai fait que rater des flèches hein, depuis le départ, mais ça fait rien.
Ouais, je suis pas assez concentré là. Ah ouais non, c'est parce qu'elle a déjà été touchée. Ok d'accord. Ah dommage, j'avais celle derrière là. Non mais je fais absolument n'importe quoi là. Allez, niveau 8, on va arriver quand même jusqu'au niveau 10. Je l'avais là. Non, je referai pas la blague. Ouais, puis en plus... Ouais, alors... Alors, le problème de ce jeu, je vais vous le dire, c'est qu'il est frustrant. Parce que quand vous n'arrivez pas à un niveau, c'est foutu. Et celui-là est vraiment agaçant. Non, mais en même temps, je suis pas concentré, là. Oh, ouais, bon, vite, allez. Oh, je fais que de la merde là. Voilà. Bon, alors c'est un jeu qui se veut être détendu et pourtant finalement quand voilà, quand le chrono arrive à la fin, ça vous stresse à fond. Donc bon, j'ai quand même réussi à avoir celle-là. Voilà. Hop, temps écoulé. Bon bah on n'aura pas réussi à aller jusqu'au niveau 10. Par contre, je sais pas pourquoi le jeu bug maintenant. Avant il buguait pas, là maintenant il bug. Bon attendez, je le relance. Voilà. Ouais, donc maintenant le jeu bug et il propose de recommencer le niveau. Avant il me le faisait pas ça. Et là, je sais pas. Maintenant il me fait ça. Allez, on va aller quand même jusqu'au niveau 10. Hein. On va retenter ça. Allez. On se détend, on va se concentrer. On est zen. Ouais, si à la Japan Expo, comment, à la prochaine Japan Expo, parce que je serai à la Japan Expo 2014. Hein. Comment. Il y a du tir à l'arc. J'en ferai certainement. Je t'ai tout su. Ah non, il en reste une. Voilà. Bon, et là, il reste celles en l'air qui sont assez chiantes à avoir. C'est là parce que j'ai touché les deux. Hein. On est d'accord, le jeu n'a pas considéré que j'avais touché les deux. Voilà. Ok, niveau 9. Ah ouais, ce niveau-là est assez agaçant parce qu'il faut aller, faut agir très très vite parce que sinon après le ces trucs-là se referment. Attendez, on va d'abord avoir les ceux qui bougent pas et on s'occupera des éventails en dernier. Les éventails sont assez agaçants. C'est bon, j'ai tout eu. Ok. Trop haut. Oula, juste avant qu'il se referme. J'ai eu de la chance.
Ok, 30 secondes pour avoir le dernier. C'est largement faisable. Voilà. Ok, 10e niveau et ce sera le dernier qu'on fera avant de se quitter. Donc ce jeu, les graphismes sont géniaux, la musique est géniale, le gameplay est simple, efficace et même s'il peut paraître parfois frustrant, franchement on se laisse facilement embarquer dans l'ambiance. Oh, ouais, je l'avais là. Ouais, oh, d'accord, ok, bon, on va essayer d'en avoir un autre en attendant. Ok. Je fais n'importe quoi, on est d'accord. Voilà. Bon, celui-là, tu acceptes, est-ce que je l'ai maintenant ou pas? Ouais, ok. Je sais pas pourquoi, la hitbox était buggée pendant un tour, mais bon. Allez, le dernier, il me reste 20 secondes pour l'avoir. Voilà. Bah écoutez, bah sur ce... Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Beau Master Japan, un jeu que je conseille, franchement. Donc, et bah, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt.